aujourd'hui on est dimanche 8 avril et c'est jour de marathon, marathon de Paris. Et je t'emmène avec moi à la remise des médailles pour vivre ça comme l'année dernière. Yala, on y est, on va aux médailles. Ousmane m'a rejoint, c'est lui qui va faire des belles images. Ah, vous avez perdu votre voix là, hein. Ah, je vous entends plus, hein. Ah, elle est fatiguée, hein. Est-ce que la voix pour la caméra, allez. Bravo. Merci. Bravo. Merci. 42 km et 195 mètres dans l'une des plus belles villes du monde. Souvent sous un soleil, surtout sur les pavés de la ville, de l'euphorie des Champs-Élysées au bonheur de Rivoli. Dimanche 8 avril 2018, vous l'avez fait. Dimanche 8 avril 2018, vous l'avez fait. J'ai affronté la distance il y a 4 ans pour mon tout premier marathon. Depuis, chaque année, je vous donne rendez-vous à l'arrivée avec tant d'autres bénévoles engagés et souriants pour vous rencontrer, pour vous donner cette médaille qui vient couronner 42 km et 195 mètres. Mais aussi et surtout des semaines, des mois d'entraînement, d'efforts, de sacrifices pour arriver jusque-là. On l'oublie souvent lorsque l'on regarde ces marathoniens et ces marathoniennes arriver après des heures à courir sur les pavés de Paris, qu'une toute petite partie de tout ce qu'ils ont donné pour être là ce dimanche matin, pour faire de leur rêve leur réalité. Peu importe le chrono, indéniablement, l'arrivée du marathon de Paris est chargée de tellement d'émotions que j'ai, depuis 3 ans, la chance de partager avec vous en vous remettant vos médailles. Vous me tirez les larmes, vous me faites rire, vous m'arrachez des bises en sueur, en rigolant. Vous ne savez parfois plus trop où vous êtes, mais vous êtes certain d'une chose, vous avez bouclé ce fichu marathon. Est-ce que vous êtes maudit d'avoir validé ce dossard entre les kilomètres 30, 35, peut-être même jusqu'à 40? Bien sûr, on s'est tous maudits à ce moment-là. Mais n'êtes-vous pas fiers justement d'être allé au bout de votre préparation, de votre passion, de votre mental et d'être allé chercher malgré la fatigue, la douleur, les crampes, la chaleur et j'en passe. J'ai trompé. Mais non, elle s'est fait... Regardez qui me remet ma médaille. Mais voilà, regarde ça. Avec plaisir. En espérant la voir sur un triathlon. Tu vois, une vraie championne, les gars. Cette médaille, cette victoire sur vous, peut-être sur d'autres aspects même, la dévalorisation, les complexes, les critiques, le manque de confiance, le stress, la compétition. Ces souvenirs vous appartiennent et représentent votre investissement, votre passion pour le running. Ne laissez personne le gâcher. Savourez, vous êtes marathonien.
Et merci à vous pour toutes ces belles émotions. Et à très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous donne rendez-vous très vite, que ce soit ici ou sur Instagram. Bye bye.